Et bien ça les amis, c'est moi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je pète la forme, je pète le feu comme d'habitude. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour un nouvel épisode Skyblock sur le serveur de Sunaria. En votre absence les gens, je me suis fait agresser par des creepers. Je suis venu ici tranquillement, je suis venu farmer mon blé, et là d'un coup je me retourne et je vois en fait un creeper qui était là dedans dans la canne à sucre. Genre il ne m'a pas vu, et le temps qu'il arrive, bah sachant que j'étais très limite en nourriture, genre comme je suis actuellement, j'ai pas pu courir. Et le temps que je l'évite, il a explosé en plein dans la récolte. Tout ça, on a perdu au moins 3 blocs de terre. Sinon également pareil en antenne, donc là j'ai rebouché un petit peu l'intégralité de l'île. Alors les gens, je suis désolé, il n'y aura pas le son Minecraft pour cet épisode, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. En soi, j'ai ma voix pour combler et puis vous inquiétez pas, j'ai cette genre-là, votre serviteur. Et puis évidemment, il y aura une musique de fond comme d'habitude, qui je ne peux pas vous donner le nom encore une fois, car ce sont des musiques libres de droit, donc il n'y a pas un artiste spécifique, ainsi qu'un titre de chanson spécifique. Voilà, c'était un petit peu l'anecdote du jour, bada bada. Retournons à nos moutons, on a enfin 64 graines de citrouille, donc on va faire un petit slash C quand même, histoire qu'on se remette un petit peu les pendules à l'heure. On n'a toujours pas fait de pain, donc ça évidemment, ça dépendra de la réussite de notre machine de blé. Donc pour le moment, en l'occurrence, il n'y a rien. Il nous faut 32 colorants verts de cactus, donc les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a suffisamment de cactus pour faire des colorants. Sauf que... Alors attendez, moi j'aimerais voir un truc. Non hein, il faut des bûches, hein. Bébé. Il n'y a pas. Bon bah du coup, j'aimerais juste voir avec une bûche combien on peut griller de cactus. Si on n'est pas obligé de tout cramer, c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il va falloir tout cramer. Ok, parce que là du coup, alors en gros, une planche, ça fait plus ou moins 2. Donc 8 planches, logiquement, ça en fait 16. Ah non, c'est pas exactement 2 en fait. Une planche, c'est pas exactement 2. Bon bah écoutez. Ah oui, les gens, vous avez peut-être pas vu, mais j'ai un arc et des flèches. J'ai également des ficelles, de la chair putréfiée et des yeux d'araignée. On a réussi à trouver là dans ce... cette zone maléfique. On a réussi à trouver donc effectivement un squelette. J'étais mais genre fou dans ma tête. Je voulais limite faire un record spécialement. Les gens, on a trouvé un squelette, c'est parfait, c'est la fête. Mais bon, on n'est pas faire un épisode spécialement pour un squelette. Tu vois ce que je veux dire? Genre on lui donne trop d'importance, c'est pas possible, tu vois. Genre un moment où faut replacer un petit peu les, hein, faut mettre un peu d'eau dans notre vin, comme dirait l'autre, hein, n'est-ce pas José? Oh, petit message de Zoom Zoom qui dit salut, tu veux venir sur l'IS la plus haute classée du serve? Eh ben écoutez les amis, est-ce que vous méritez d'aller sur l'IS la plus haute classée du serve? Moi je pense que oui, vous le méritez. Donc on va faire un petit oui. Allez, c'est parti. Bienvenue, Pinguino est le plus beau. Ouais, c'est relatif. C'est relatif. T'as un très beau stuff, l'ami, mais c'est relatif. Moi, je dis, je suis le plus beau avec mes yeux. J'en ai charmé plus d'une avec ce regard. Tu t'imagines, tu bois un café tranquille et t'as un gars au restaurant qui te regarde comme ça, genre, my nigga. I see your ass. It's very badass. Alors, écoutez, je vous propose de faire un petit tour. Donc, je pense qu'il y a un shop pour le cacao, puisqu'ils ont une espèce de petite récolte. Il y a un shop pour le truc du nether, parce qu'ils ont une petite récolte. Il y a un shop pour tout ça, donc c'est pas mal non plus. Et là, la grosse machine à mob. Eh bien, ma foi. Avec une petite machine à cactus. Et là, il y a la farm auto à stone, du coup. Ah, la mienne était plus optimisée. Eh, hey, bébé, la mienne était plus optimisée. Non, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout, ça, ensemble. Et puis là, ils ont un truc fat de canne à sucre aussi. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Il y a pas mal d'idées. Et puis alors, là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord. Un truc à piggy. Ils ont dû mettre des spawners à l'intérieur. Non, c'est pas mal du tout, franchement. C'est bien. Ah ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Ok, nickel. Bah écoute, je vous remercie gracieusement, les potos, de m'avoir invité sur votre île. Nous, en tout cas, on retourne sur un autre. Il faut qu'on discute business. Donc, les gens, aujourd'hui, notre épisode, en quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah écoutez, les gens, on va essayer de faire le maximum de challenge et on va automatiser notre farm à cactus. J'espère que vous êtes prêts. Parce que moi je suis chaud patate le bouillantissime. Là on ne rigole pas aujourd'hui. On va faire un épisode quand même sacré solidement. J'espère que vous aimez ce mot. Alors ici il reste quoi? On a 16 colorants plus 8. On est à 24. Alors attendez voir. Slash C. Il nous en faut. Ah merde, 32. Hop. My nigga. On va se faire un charbon de bois. Comme ça on peut tranquillement brûler la masse de cactus. On a notre charbon de bois. Et là on pose directement le cactus. Histoire de ne pas perdre la valeur du feu. Ok, bon, on est bon. Ensuite, on a également de la canne à sucre, les gens, qu'on va rapidement transformer en papier. Comme ça, on va faire un challenge en plus. Puisque là, maintenant, on est à 27 paper. Eh, 27 paper. C'est pas mal du tout. Donc, voilà, 21 pages de papier. Boom, bitches. Ok, c'est nickel. Donc là, maintenant, on a 2 sables en plus. On a gagné 10 d'XP et 5 dollars. Donc, si on fait un petit slash monnaie, 25 dollars. Ok, bon. Alors c'est un peu un jeu aller trop vite, mate. Tranquille. Ah, j'espère vraiment que là par contre on arrive à avoir le nombre de cactus qu'il faut. Il nous en faut encore 2, ça passera pas.
Ah, quoique, les gens, il y a la pression là, il y a la pression. Pitié que ça passe. Ah, ça peut passer. Et c'est passé, les gens, oui. Un challenge en plus d'accompli. Donc, les gens, allez, le petit slash, c'est qui fait plaisir. Donc, coloriste en l'occurrence, craft 32 colorants verts de cactus. On reçoit 2 pouces de chaque type d'arbre, 30 d'XP et 10 de monnaie. Alors là, les gens. Là, c'est lourd. Donc, cet épisode va être rempli d'émotions, moi, je vous le dis. On va donc améliorer sa machine à cactus comme je l'ai dit. Et on va également améliorer la zone là-bas pour le bois. Bon, alors on va récupérer nos différents blocs de terre. Voilà, ici aussi. Et enfin, ici. Oh non mais... Tu vois, quand t'as deux de cuit des fois, ça m'arrive, hein, ça peut arriver à tout le monde. Tu réfléchis pas, tu casses un bloc, tu le reposes au même endroit. Tu vois, c'est comme quand t'ouvres le frigo. Tu savais que t'avais besoin de faire quelque chose avec ce truc, mais tu arrives devant et tu prends rien et tu le refermes. Un bois comme ça et un bois comme ça. Voilà, nickel. Alors par contre, moi, ce que je vais aménager, c'est ici, notre zone de mob. Ça aussi, on se fera une machine à farm un peu plus développée, hein, parce que là, c'est vrai que c'est pas une machine à farm, c'est juste une machine à spawn. C'est différent, tu vois, genre. Là, tu farmes rien, là, c'est juste tu fais spawn et tu les regardes de loin parce qu'ils sont trop forts pour toi. Genre, t'as le zombie au loin qui te regarde comme ça et te dit, oh, venir à my negat. Bon, les gens, on en est où, là? Ok, alors ça, on pose ça comme ça. On a une pomme. Bah écoutez, on va la manger directement. Comme ça, au moins, notre bouffe va arrêter de tomber. On va sécure tout ce qui est pousse d'arbres. Hein, au moins, ça c'est fait. Voilà. Là, on a du blé. On va le poser ici. Là, notre porte avec les. Bah voilà, les gens. Voilà ce qu'on va faire. On va s'occuper directement. On a 3 blocs de sable en plus. C'est pas mal du tout. Bah, je pense qu'on peut faire un truc dans ce style-là directement. Voilà. On va s'occuper de notre machine à cactus maintenant, désormais. Alors ça, je sais pas quoi ça a tenu. Et on va attendre que nos 2 arbres veulent gentiment bien pousser. Donc on récupère absolument tout. Voilà, donc là on casse tout directement, on va pas s'embêter. En vrai, là on est un peu dans le mal parce que... On n'a pas ce qu'il nous faut réellement avant de faire notre machine. On a les dalles en bois, certes. Mais ça ne suffit la poigne. Il va falloir qu'on déporte un petit peu notre île là sur le côté, qu'on l'agrandisse un chouïa. Bon, là-bas, c'est le gang des dalles. Hein. Les dalles rebelles là-bas, elles traînent là-bas dans le coin. Elles se sont dit non, moi je me pose pas comme les autres. Je suis une dalle trupster, tu peux pas me poser comme ça. Alors, on va récupérer notre bois d'acajou. Il nous faudrait des pousses d'acajou parce que sinon on est vraiment dans le mal. Allez, il m'en faut au moins une. Au moins une, sinon on est grave perdant dans l'histoire. Y'a pas moyen. C'est obligé qu'il nous en donne une. Ah, quand même! Oh, il m'a fait stresser, lui. Oh, il m'a grave fait stresser. Je me suis dit, non, parce que si ça commence comme ça, on est dans la merde. On est dans le mal. Bon, du coup, on n'a pas gagné de pouces. Bon, c'est pas grave. On la repose. Ça ne coûte rien. Alors, les gens. Comment on va établir notre petite machine? Donc, il nous faut notre double coffre qu'on va poser à cette hauteur-là, à peu près. Ici. Alors, sinon, on fait un truc de style, genre, on met notre coffre là. On met l'entonnoir juste au-dessus. Ici. On ferme avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, il faudra fermer comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 à 1. Il faudra fermer comme cela. Et là, ça me paraît pas mal du tout. Donc là, on est quand même bien refait parce que du coup, on a notre sapin qui vient de pousser. Nickel, bébé, ça fait plaisir. Bon, alors retournons à notre machine. Alors, logiquement, là, donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a notre petite pastèque des familles. Voilà, donc ça fait plaisir. Par contre, notre blé se touche littéralement. Hein. Notre blé, je crois qu'il pousse dans le sol en fait. Il a pas compris qu'il fallait pousser vers la surface. C'est un peu triste, hein, c'est un peu triste. Mais en plus, il nous drop seulement une graine. En plus, il est radingue. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Donc là, le but en fait, les gens, si vous ne l'avez pas réellement compris. Donc ça c'est simple. Ici on posera notre seau d'eau qui va nous permettre en fait d'irriguer en gros tous les cactus qui vont couler et tomber là-dedans pour arriver vers l'entonnoir qui va tomber en fait en l'occurrence du coup dans notre double coffre qui sera posé juste ici. Comme t'as une nigue. Ok c'est bon, on en a 5. Et bah là c'est les gars, nickel. Bah là on peut déjà commencer à causer. C'est pas mal, on va déjà pouvoir commencer à poser un espèce de big sapin. Donc maintenant qu'on a nos 48 dalles en bois de sapin. Donc, alors 2 secondes, excusez-moi, je vais juste couper, tac, me mettre en ne pas déranger. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on arrive ici, tac, tac, alors est-ce qu'on fait tout dans un même bois? Je ne sais pas. Parce que du coup, c'est vrai que si on doit attendre sur la pousse d'acajou, là, les enfants, on n'est pas prêts d'être sortis de l'auberge. Hein. Ce que je vais faire. 1, 2, 3, 7, 8. Avec ça, ça nous permet d'avoir les mesures un petit peu, si vous voulez, de nos futurs bouts de bois, donc 8. Donc ça fera la même de l'autre côté.
On a notre bloc d'eau qui est juste là. Et donc du coup logiquement notre notre machine s'optimise. Laissez-moi réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Il va falloir qu'on pose notre planche de bois là. Ouais, c'est exactement à cette hauteur-là qu'il va falloir poser nos cactus. Ensuite, ben du coup ça fait deux, tac tac tac, comme ceci, et peut-être un... Attendez voir. Voilà, voilà. Ah ouais, il y en a pas beaucoup quand même, hein. Eh ben écoutez, on va déjà poser nos dalles comme ceci, on va utiliser le bois de sapin là, en l'occurrence, histoire de mixer un petit peu les plaisirs. On va poser nos fameux trucs comme ceci, ensuite là on décale, voilà, donc là on en arrive là. Donc il y a certains blocs qu'il va falloir casser. Mais bon, avant de les casser, on va aller rapidement se crafter notre fameuse hache en bois. Dadam ! Bon alors, on en est où là ? Donc 1, 2, 3, 4, 8, c'est ça. Je voulais faire des bâtons. Donc, il nous faut une hache d'extrême. J'en reviens pas. J'ai l'impression qu'on a reçu un cadeau, tu sais, c'est genre Noël avant l'heure. Genre, tu veux quoi pour ton anniversaire ? J'aimerais bien avoir 32 bûches, s'il vous plaît, tenez-moi 32 bûches. Avoir le premier arbre, c'est vrai que c'est le signe d'une début, d'une grande aventure, hein, d'une grande réussite. Je crois qu'on est les plus riches du serveur maintenant avec nos bûches. J'aimerais faire une nouvelle pioche pour être sûr qu'on est encore durable. Voilà. Donc, j'aimerais faire que des dalles en bois. Bon, il y a 63 dalles en bois, du coup, ça pensera que c'est quand même pas mal. Alors, éventuellement, notre machine, on va la refaire en bois de sapin, parce que là, pour le coup, les gens, on a tellement de bois de sapin qu'on va pas attendre sur le bois d'acajou. Le bois d'acajou, on l'utilisera pour notre machine, je verrai déjà ce qu'on fera. Donc, on a maintenant beaucoup, beaucoup de bois. Donc, on va poser bloc par bloc, écoutez. On va faire les gars jusqu'au bout. Là, de toute façon, on n'aura pas besoin d'énormément de blocs, on en a largement assez. Donc ensuite, on ferme tout ce qu'il y a ici. Alors, je vais juste recompter combien il y a de blocs en tout. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, d'accord, bon. On a les 8 blocs. Donc ensuite, là, on ferme ceci comme cela. Bon, on n'a pas de torche, il faudrait rapidement aller les chercher avant que ça spawn là dans la petite machine. J'ai pas envie qu'il y ait un creeper qui spawn ici et qui me nique totalement ma petite invention. Ok, ensuite là aussi on referme. D'accord, bon, alors, du coup, il faut qu'on se fasse des barrières, les gens, pour finir notre petite machine, parce que sinon, effectivement, ça posera quelques petits soucis. Donc, je crois que c'est comme ça. Ah, ça, c'est le portail. Ok, d'accord. Bon, bah, alors, du coup, comme ça. Ça devrait suffire. 6 petites barrières, ça devrait suffire. Alors, ensuite, il faut les mettre à... où ? On va les mettre là, donc, alors, là, cactus. Ok, donc, c'est à cette hauteur-là. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, et ensuite il nous faut la quatrième, nickel. Bon, alors on va peut-être se crafter une petite hache histoire que ça aille plus vite. Ensuite il nous faut les autres, juste là, et juste ici, voilà, parfait. Va peut-être falloir se faire une hache, parce que là c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même, un tout petit peu de temps, hein, après je dis ça comme ça, hein. Bon, bah les gens, écoutez, sur l'ensemble, ça commence à avoir de la gueule quand même. Il nous manque juste encore deux petites barrières pour ces côtés-là, mais bon, sachant qu'il n'y a pas encore de sable, ça nous sera rien de les faire, donc voilà, voilà. Et bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait pas mal de choses dans cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Slash C. Bah écoutez, les gens, dans le prochain épisode, on va essayer de finir ou les 64 graines de melon, de blé et de citrouille, ou alors les 21 tranches de pain avec la soupe. Et ensuite, faut enfin. Voilà. Il faut qu'on complète 3 challenges. Excusez-moi, j'ai payé un petit peu. Il faut qu'on complète 3 challenges. Donc, youpa là. Ah, il y a encore un bloc en fait en haut. D'accord, ok. Du coup, il va falloir que je commence à farmer de ouf là. Parce que du coup, c'est vrai qu'il va nous falloir maintenant de l'argent pour pouvoir faire l'entonnoir. Et tant qu'on n'a pas l'entonnoir, ben, on peut pas faire automatiquement nos trucs de cactus. Et bah écoutez, les amis, en tout cas, c'était Et bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce les gens, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si ça porte bien cette image, je vous fais de gros bisous, allez, ciao ciao, bisous.